Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et vous avez remarqué qu'une vidéo, la dernière vidéo qui avait été mise en ligne, avait été supprimée. Bon, c'est pour des raisons personnelles. Je m'en excuse auprès des personnes qui ont mis de nombreux commentaires, très intéressants. Mais je vous invite à les remettre si éventuellement vous les avez en mémoire. Surtout des commentaires parlant justement des bornes, puisque cette vidéo avait été dédiée aux bornes sur autoroute. Vous vous rappelez, sûrement vous avez dû la voir et puis remarquer qu'elle avait été enlevée. Et il se trouve que les bornes sur autoroute ne sont toujours pas fonctionnelles, à part quelques-unes hein, qu'il faut chercher sur ChargeMap. Alors, je ne vais pas parler de ça, mais comme toujours, je parle une chose qui emmène une autre, mais toujours hein, pour informer. Quand on constate qu'il y a des problèmes sur les autoroutes, principalement, il n'y a que sur autoroute pratiquement qu'on trouve des bornes de recharge puissantes pour les nouveaux modèles de voitures électriques, ne serait-ce que pour Peugeot, Citroën, ID.3 pour bientôt, Hyundai, Kona, enfin bref, vous avez tous ces modèles-là qui ont besoin d'une borne CCS combo puissante. Elles ont des chargeurs, enfin elles ont une capacité de charge minimum 100 kW en théorie. Quand il arrive qu'il n'y a plus ces bornes-là qui fonctionnent, comment ça se passe pour vous qui avez acheté une voiture qui va se traîner sur une borne 22 kW alors que les bornes 22 kW, j'allais dire une bêtise. Bah oui, mais il y en a partout, ça pousse comme des champignons. Si on sort de l'autoroute, boum, on tombe automatiquement sur une borne 22 kW, peu importe le département, peu importe la région, et même en Europe, de toute façon c'est ça. À 22 kW. Et vous avez même des bornes 43 kW, leur type 2, pour les moteurs Continental des Zoé. Des moteurs jusqu'en 2017. 2013-2017. Très bien. Ça recharge plus vite encore. Bah oui, vous achetez une voiture chère. Vous dites chouette, le vendeur, il vous dit oh, pas de problème, vous allez vous recharger. Vous avez vu le prospectus? En 30 minutes, vous rechargez de 0% à 80%. Ah oui, mais ça c'est le prospectus. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ou rarement. Il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies. Et ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas chez Tesla, hein, je le répète. On parle des autres constructeurs. Alors vous qui avez acheté pour plus de 30 000 euros une voiture électrique et vous voulez avoir la certitude de pouvoir vous recharger n'importe où, assez rapidement, vous êtes prêt à attendre occasionnellement parce que vous n'allez pas faire une recharge tous les jours sur ces bornes-là, vous en doutez bien. Ça va être des recharges que vous allez faire à la maison ou des recharges que vous allez faire sur une borne type 2, une borne publique. Il y en a qui font ça avec des Zoé et ça marche très bien. En une heure maximum, la voiture est chargée, mais à 100%. La voiture, elle est scellée, elle est fermée, hein, à clé, bof, et ça recharge et voilà. Les personnes reviennent 2 heures après ou le lendemain et la voiture est chargée. Malheureusement, ça c'est bien pour la Zoé. Quand je dis malheureusement, bah, ma chaîne est dédiée à la Zoé hein, principalement. Donc je dirais heureusement pour nous qui avons une Zoé, on s'en sort bien en France. Parce que faut dire ce qui est, c'est que tout a été conçu autour de la Zoé. Ah bah oui, parce qu'à l'époque quand il y avait la Nissan type 1, la Nissan Leaf, bah, je suis bien désolé mais il n'y a pas de type 2. Hein. Ou s'il y a une type 2, ça va se traîner. Hein. Ça va être je crois, c'est du 7 kW à peine. Donc, vous avez vu ma vidéo quand j'avais expliqué sur le parking en pleine nuit, en hiver, comment ça s'est passé avec une personne qui avait une Nissan type 1, une Leaf. On voit que c'est pas bon. Alors, depuis le temps, moi, ça fait 3 ans que j'ai ma Zoé. Vous êtes nombreux à avoir des Zoé comme la mienne, 2013, 2014, etc. Est-ce que les constructeurs autres que Renault n'ont pas eu le temps de créer? De fabriquer, de concevoir un chargeur type 2 22 kW. Qu'est-ce qui les a empêchés de faire un chargeur, même qui n'a rien à voir avec celui de Renault, pour une histoire de brevet ou de copie ou j'en sais rien, mais qui soit capable d'absorber la puissance totale que délivre une borne? C'est quoi que cette traîne de misère? Je veux dire ça comme ça, un peu, parce que ça sent la misère malgré tout. Quand on arrive sur une borne comme Lidl, qui sont gratuites, qui, elle, délivre 21-22 kW, c'est parfait.
Avec une Zoé, vous rechargez, c'est parfait. S'il fait à partir de 13, 14, 15 degrés, c'est bon, ça recharge, plein pot quasiment. Et les autres qui sont là sont obligés d'attendre, bah, eux, beaucoup plus longtemps, parce que ça va se traîner. À 7 kW, la voiture n'a pas de chargeur embarqué, ça va se traîner à 7 kW. Mais ils ont eu le temps, pourtant, de le faire. Mais ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas cru au mouvement d'achat des voitures. Non, du tout. Ils sont enfermés dans un système en disant, pour vendre, il faut dire aux acheteurs, aux clients, ah, vous allez pouvoir vous recharger à 100 kg, 150 kg, on vous le garantit. Satisfait ou remboursé deux fois? Non, 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 faut pas exagérer. Mais on vous le garantit. Et garantie, c'est rien du tout. Malheureusement, vous tombez le bec en avant sur la formule publicitaire. C'est fait pour ça. Et vous achetez la voiture. Et vous commencez à chouiner. Parce que déjà, sur l'autoroute, ça ne fonctionne pas. On est encore en période de vacances. Ce n'est toujours pas réparé. Est-ce que ce sont des bornes qui sont dangereuses? Alors, à ce compte-là, oui. Parce que apparemment, c'est à partir de deux bornes en panne qu'ils ont isolé toutes les autres. C'est volontaire, hein, ce n'est pas une panne générale. Ils ont décidé, Hyvisia, hein, groupe EDF, bah, les deux bornes en panne, et bah, on va mettre toutes les autres en panne à la veille des vacances. Et on les remettra après les vacances. Alors que plein de personnes roulent en voiture électrique, peuvent prendre de l'autoroute avec des Niro, des Kona et tout ça. Mais ces personnes-là vont aller sur les bornes Unity. Des bornes Unity qui coûtent tellement cher que ça revient au prix du thermique. Ben oui, ça revient au prix du thermique. Non seulement vous payez l'autoroute, très cher, vous payez les bornes Unity qui n'ont rien à voir avec les autoroutes, hein, c'est privé, vous les payez très cher, et ensuite bah, vous continuez à rouler, vous dites à la fin, quand vous faites vos comptes au retour de vacances, bah, vous faites vos comptes, vous dites combien ça m'a coûté ça, le péage plus les bornes Unity, tant. Et j'ai une voiture électrique. La satisfaction, c'est que vous roulez en silence. Vous avez une voiture qui est hyper fiable. Vous avez le confort absolu. Mais on vous le fait payer sur autoroute. C'est ça. Ces fameuses bornes qui sont tombées en panne ne sont pas gratuites, vous avez bien remarqué. C'est 20, 30 euros une recharge. Alors qu'il faut attendre. Ce ne sont pas des bornes 100 kW qui sont tombées en panne. Ce sont des bornes 50 kW. Les fameuses bornes que l'on voit un peu partout. Elles n'ont rien d'extraordinaire, mais elles sont essentielles pour pouvoir rouler. C'est comme si on retirait 9 stations d'essence sur 10. En France, 9 stations d'essence sur 10 sont en panne. Il y aurait une révolution? Ah oui, il y aurait une révolution. Mais comme ça ne concerne pas la majorité des gens, hein, bien sûr, donc du coup, bah, ça râle, mais bon, ça reste encore larvaire en quelque sorte, hein. Alors bon, bah, il faut prendre son mal en patience. De toute façon, le réseau va s'étoffer. Il hein, faut espérer. On est en 2020. 2020, 2021, oh là là, toutes les voitures électriques qui arrivent. Les constructeurs font la tête, hein, parce qu'ils n'aiment pas voir ce qui se passe. Parce qu'eux ont investi beaucoup d'argent, c'était une obligation pour eux. On les oblige à faire. Mais derrière, il n'y a pas de réaction. Bizarrement, il n'y a aucune réaction. Ça ne bouge pas. Le privé, tout ça s'endort. Ils restent sur leurs acquis. On va en mettre une lone borne. Ils ont mis 100 bornes type 2. Il n'y a aucune borne CCS Combo, aucune borne CHAdeMO. Alors qu'il devrait y avoir obligation. Moi, je dis ça de ma part. Mais ça coule de source. Puisque ce n'est pas une obligation, ils ne le font pas. Bien sûr qu'il y a un coût. À voir qui va payer, qui va faire quoi. Mais ça, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Parce que on parle de quoi? On parle d'écologie. On se dit, bon, bah, il nous faut des bornes pour alimenter nos véhicules électriques. On a conscience qu'on ne pollue pas. On est très content. Mais personne ne fait l'effort parce que nous, on a la fibre écologique. On est prêt à payer quand même, malgré tout, l'énergie électrique. Et ceux qui gèrent ça, qui peuvent faire l'effort technique à nous amener la technologie pour recharger, eux ne font rien. Ils n'ont pas la fibre écologique. Parce qu'ils roulent en essence, parce qu'ils roulent en diesel. Ils ont le droit. Eh bien, à ce compte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui hésitent, ben, je dirais ben, l'hybride.
Voilà, vous allez payer une voiture hybride le prix d'un essence, d'un électrique, c'est le prix, hein. Bah oui, hein. Et vous allez continuer à rouler à l'essence. Pour l'instant, le cours est au plus bas. Parce que la Chine consomme beaucoup moins de pétrole à cause de la peste, j'appelle ça cette peste-là, ce virus, qui se transforme sans arrêt. Ils peuvent pas le traiter, hein. Je fais une petite analyse de la situation. C'est un virus qui est mutagène. Il mute sans arrêt. Il ne peut pas être traité, il n'y a pas d'antivirus. Hein. C'est un virus, c'est le corps qui résiste ou le corps qui s'arrête. Voilà. Une personne sur 10 en Chine en meurt. C'est-à-dire que par rapport à une grippe, une pandémie de grippe classique, c'est beaucoup moins. Et là, c'est fort quand même. Les frontières ont été fermées. Beaucoup d'entreprises, ben, les frontières internes du pays de la Chine, hein, et beaucoup d'entreprises tournent au ralenti, surtout Tesla qui a fait faire son entreprise, la Gigafactory à Shanghai. Alors ils sont en train de se poser des questions parce que ben, du coup ça tourne pas, ça ne produit pas et ça coûte de l'argent. Ils ont hâte que la Gigafactory en Allemagne soit faite. Mais en Allemagne, ça traîne un peu la patte. Parce que il faut raser les forêts. Pour un bâtiment aussi immense, bah, il faut raser des forêts entières. Bon, bah là, quand on fait quelque chose d'écologique, il faut raser des forêts, il y a un contresens. Ils auraient pu choisir un autre terrain, je pense, hein. Je sais pas. Parce qu'on se pose toujours des questions. Moi, je pose des questions. Je sais pas. Après tout, je sais pas. J'en sais rien. Et il se trouve donc qu'en Chine, enfin, ils consomment moins de pétrole, parce que c'est le premier consommateur mondial. La Chine, c'est tout passe par là. C'était pas bon, ça. Stratégiquement, économiquement parlant, c'est très mauvais de dépendre d'un pays comme ça. Quand tout vient d'un seul pays, mais que tout va mal dans ce pays, bah, tout s'effondre. Les voitures électriques, on sait plus 6 mois d'attente. Ça va être un an et demi. Ah, bah, ça commence à faire mal. Les batteries, ça y est, ça traîne la patte. Jaguar, obligé de bloquer. La fabrication de ces Jaguars électriques qui sont très demandés, pendant une semaine, plus fabriqués. Audi, pareil, rebelote, ça recommence. Et Renault, bah attention, Renault passe par une usine en Pologne. On ne sait pas ce qui se passe là-bas en Pologne. Ah, il y a une usine qui fabrique des batteries en Pologne. Tant mieux. Pour Renault, tant mieux. Pour l'instant, je ne sais pas. Les Zoé sont vendues. Elles sont livrées. Alors, le cours du pétrole a chuté, hein, vous avez remarqué à la pompe, que ce soit l'essence ou le gasoil, et ça c'est temporaire. C'est-à-dire que la Chine, sont très malins, hein, au niveau économie, bah, sinon ils ne seraient pas numéro un mondial devant les États-Unis. Et il se passe qu'ils font, ils font une sorte de blocage, hein, d'importation, et ils négocient avec les producteurs pétroliers. Ah, c'est une première, ça. Ils négocient pour l'après, parce que ça ne va pas durer très longtemps, ce système de virus. Il y a un moment où le virus va perdre son intensité, ça a souhaité. Sinon, on appelle ça une pandémie. Et là, une pandémie, c'est à l'échelle mondiale. Et là, ça va faire un peu comme la grippe espagnole, hein, en 1918, je crois, ou 1916, pendant la Première Guerre mondiale, où il y a eu 17 millions de morts en Europe. Ah oui, 17 millions de morts pour une grippe. Donc ça, faut pas que ça se reproduise parce que ce sera un massacre naturel, on va dire, hein, parce qu'on peut pas maîtriser ce que l'on respire et ce que l'on touche. Et ça fait que la Chine, qui bloque les importations, va les débloquer. Quand la situation va se débloquer d'elle-même dans l'économie du pays, il va y avoir une grosse demande de pétrole. Mais ils ont fait des stocks. Ah bah, ah bah oui, dans un pays immense comme ça, ils ont de quoi bien ranger des valises et des cartons que l'on ne verra pas, et des barils. Donc, bon. Et là, le cours remonte. Ah, le cours remonte, mais il va falloir réparer la casse. Il va falloir renflouer les caisses. Parce que même s'ils sont riches, la richesse appelle la richesse. Et ce qui veut dire que bah, les prix risquent de regrimper, mais plus qu'avant. Vous voyez? Attention, c'est de la projection, hein. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais on imagine bien
que ceux qui ont perdu de l'argent vont réclamer, vont demander. C'est les actionnaires, c'est les actions, c'est les finances, c'est mondial. Ah, c'est pas à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle de tous les pays. Il y a des comptes à rendre, il faut rentrer dans les frais. Et ben voilà, il va falloir rentrer dans les frais. Si le cours du pétrole ne suffit pas à payer les investissements, là, ils sont en train de taper dans leurs réserves d'argent. Quand le cours du pétrole redeviendra suffisamment élevé, alors jusqu'à quoi, à quel point? Voilà, c'est ça le danger. Suffisamment élevé pour combler et remettre des investissements en route, ben voilà, ça fonctionne comme ça. L'économie mondiale dépend d'un pays qui lui consomme du pétrole, et nous, pour rouler, nous dépendons d'un pays et de pétrole. Et quand on roule en électrique, on coupe. Parce qu'une fois que vous avez la voiture, vous ne dépendez plus du pays qui l'a conçue, hein. La voiture, la batterie du moins, la batterie électrique. Et si vous dépendez de seul pays, la France, pour la production d'énergie, vous l'aurez toujours, la production d'énergie. Tout le temps. Il y aura toujours de l'électricité. Et la voiture, vous l'aurez pour longtemps. Et en France, il y a aussi des voitures. Et en Europe, ça commence à bouger, ça commence à se savoir. Il est temps de précipiter les choses et de commencer à concevoir des usines de fabrication de batteries. Et sachant que l'Europe a d'excellents ingénieurs, une technologie de pointe, elle est capable de concevoir des batteries que personne n'a encore imaginées. Surtout, retirer le fameux cobalt. Les Américains travaillent d'arrache-pied à ça. Ils ne peuvent pas le retirer complètement. Mais une toute petite dose de cobalt, au lieu d'en mettre 3 kilos, par exemple, on en met que 100 grammes. Bah, le progrès est énorme. D'un seul coup, le cours du cobalt s'effondre, les batteries coûtent beaucoup moins cher et se rechargeront plus vite. Et tout ça, c'est pareil, c'est une projection d'un futur, mais un futur qui est proche malgré tout. Donc voilà, je n'étais pas parti pour cette analyse avec vous. Vous m'excuserez, hein, je continue parce que je reparlais du sujet principal. C'était un support de smartphone que j'ai trouvé qui est super pour ma Zoé. Et je pense aux personnes qui n'ont pas Android Auto sur leur Zoé, justement, 2013 à 2000, début 2017, et qui voudraient bien avoir quand même Waze ou Google Maps ou même Michelin ou Mappy sur leur smartphone. Et puis, bon, bah, rouler avec un GPS sous les yeux, avec leur smartphone. Donc ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous reprends après, hein. Merci.